si la marche au plus fort, l'esprit s'arrête. On aura l'occasion d'exposer les tympans. Écoutez, je suis ravi de voir que vous êtes toujours aussi nombreux à venir pour la traditionnelle soirée d'ouverture de cette magnifique patinoire qui ne cesse de prendre de l'envergure chaque année, puisque nous avons maintenant ce beau ciel étoilé avec ce petit sapin et ce poteau central. Mais avant d'appeler le maître de la ville qui va venir vous faire un petit salut, je vais appeler celui que j'ai un petit peu responsable depuis presque 20 ans que cette patinoire existe ici à Rochefort et qui m'a fait venir très souvent. Ce soir, je suis l'invité surprise qui va mettre en lumière la troupe So Ice qui va vous interpréter un magnifique spectacle d'ouverture. Et je vais évidemment parler de monsieur Gérard Ponce. Il est là, Gérard. Je vais te tenir la main, viens. Je sais que tu aimerais être dans la lumière. Et cette année, un exploit, l'écran géant fonctionne. Je sais, t'as vu les moules ? Nous aussi, le public aussi. Alors faites attention, parce que je crois qu'il y avait une tête qui était placée juste devant la caméra tout à l'heure. Donc la personne juste se décale de quelques centimètres, assez bien. Alors Gérard, tu as eu une nouvelle idée de me faire revenir ici à Rochefort. Tu sais que j'aime bien quand même parce que vous m'accueillez toujours bien. Voilà. Tu adores Rochefort. Alors pour finir, je voudrais un tonnerre d'applaudissements. Ah non, mais couleur. C'est bon, vous êtes à Rochefort. Ouais. Il est incontournable. Il est incontournable. Ce champion, il est là tous les années. Il est Rochefort. On l'applaudit bien fort. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelques mots pour ce que Gérard a donné. Non, je ne veux pas de cachette. On a dû rehausser le toit lumineux pour pas que Philippe ne fasse pas en faisant des saltos et des tiroirs qui vont faire en quelques instants. C'était avant. Maintenant, tu as l'âge de faire ça. Non, j'ai un peu moins de détente verticale, donc là, c'est bon. Je ne sais pas les films, pas de problème. On est déçus. Il est temps là. Et oui, le temps passe, 20 ans. 20 ans, c'est pas fou. Et c'est vrai qu'avec les années, elle a pris de l'ampleur, elle a pris de la qualité, grâce à Gérard qui a toujours eu 1000 idées par heure. Donc on est obligé de le freiner, car sinon là, on aurait un toboggan glacé, des bobsleighs dans la ville, enfin, on est obligé de le freiner un petit peu. Vous avez pu remarquer également qu'on a amélioré l'éclairage pour cette nouvelle année qui va arriver. Regardez Avenue de Gaulle. L'Avenue de Gaulle, c'est la Miss 2018 est avec nous. Il y a aussi la Miss 2019 qui va donc se présenter. La Miss Poitou-Charentes, pardon, qui va venir se présenter pour Miss Nationale, donc Miss Excellence, parce qu'aujourd'hui c'est le comité Excellence dirigé par madame Geneviève de Fontenay. Car quand ça change de nom, évidemment, venez les filles. Puis, on va accueillir Maëva Paco, qui est ici, qui est la représentante en fait de ce magnifique comité. Ah, monsieur le maire, c'est tout de suite, il se rapproche. Il est un peu comme Maëva, il voit de jolies cuisses, il se rapproche. Bon. Vous êtes pas venus les mamies, je vois que vous savez recevoir ici à Rochefort. C'est pour ça que j'ai toujours autant de plaisir à revenir. Alors Maëva, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour ces jeunes. On va s'éclater un peu dans la dernière fois, vous étiez plus à l'aise, vous aviez mis les patins, hein, la dernière fois que vous avez chanté pour moi. Allez, je vous passe le micro. Bonsoir à tous, donc effectivement j'ai repris le comité, donc Miss Excellence Poitou-Charentes il y a 4 ans, comité de Geneviève de Fontenay. Donc en fait, c'est exactement la même chose que la société Miss France. Hein. Et donc Amandine Chevalier qui est ici va partir le 18 janvier prochain, représenter le Poitou-Charentes pour la finale Miss Excellence France à Toulouse. Alors après, juste ici avec le chapeau, vous avez Anne-Marie Minkler, donc qui est la Miss 2018, qui s'est classée en plus dans le top 12 de la finale nationale en janvier dernier. Et à la gauche d'Amandine, vous avez Lénie Skiefer, qui est la troisième dauphine Miss Excellence Poitou-Charentes, qui a été élue la semaine dernière. Un grand rendez-vous comme le champion de la France. Et ce soir, il est là, c'est lui qui va faire le lever de rideau pour ce magnifique spectacle. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à applaudir, à accompagner les artistes qui vont défiler devant nous ce soir. Et voici le lever de rideau, monsieur Adrien Tesson. Thank you.
sera qu'une question de formalité. Tu peux peut-être essayer de faire plus de ce côté-là, parce qu'il y a les spotlights qui forcément éblouissent un petit peu. Voilà. Allez, il faut bien que ça bosse un peu les jeunes, hein. Voilà, il a décidé. Pour les championnats de France à Dunkerque le week-end du 19, 20 et 21 décembre prochain. Allez, maintenant en place à la troupe de Maxime Pouin. Let's go.
know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Thank you.
Nous sommes tous
on est toute seule sur scène, je trouve on fait pas tellement jumelles tous les deux. Hein? On se ressemble pas? On se ressemble pas mal quand même. Bon, on n'a pas la même mère ni le même père, allez comprendre. Vous savez maintenant avec ce qui se passe, hein? Le modèle des genres. Allez, on va te laisser maintenant t'interpréter vraiment ce qui vient de ton répertoire, ce que tu sais faire de mieux. Je sais qu'il fait froid, la voix est un peu difficile à faire sortir, mais je sais que tu vas nous mettre l'ambiance maintenant avec les musiques de ton répertoire. Allez, applaudissements pour Virginie, et n'hésitez pas à applaudir comme il se doit pour l'accompagner. Je suis sûr que le choix musical qu'elle a fait ce soir pour nous va vous mettre une ambiance de feu. Allez, on sort, on est tous là, on est ensemble, on est heureux. Et tu peux envoyer un sens. Voilà, il fait froid ce soir, donc allez, on se réchauffe, vous tapez tes mains, on est là. Allez, c'est parti. Yeah. Ah, ça fait plaisir. Merci, Rochefort. Ouais. Je sens que c'est prêt. Quand vous êtes en soirée là-bas, également avec le Lido, deux cabarets vraiment super. Vous passez une très bonne soirée et la primeur de faire l'ouverture du spectacle. D'ailleurs, cette charmante demoiselle qui se partage le rôle avec une collègue. Merci Virginie. Merci beaucoup. Et demoiselle de Rochefort était vraiment le petit cadeau que tu as voulu faire. Et puis Gérard y tenait. Fais gaffe, lâche la main quand même, Gérard. C'est plus de ton âge que ça. Allez. Allez, on enchaîne tout de suite avec la troupe Solariste et un numéro sur la musique de Mika. De Mika. Just can't count me out. I'm gonna take.
avec moi à un moment donné. Hein? Donc on va voir si vous êtes au point. La chorégraphie, c'est simple, à un moment donné, je vais venir vers vous, je vais dire les mains en l'air. Allez, les mains en l'air, allez. On secoue un petit peu le bassin, comme ça, le cul. On se frotte avec le voisin qui est derrière ou la voisine. Voilà, ensuite, on va. Voilà. En haut. En bas. Ensuite, à gauche. Alors évidemment, quand je dis à gauche, pour vous, c'est à droite qu'on parle. Et quand je dis à gauche, pour vous, c'est par là. Okay? Mais comme je vais à l'inverse de vous en version miroir, bon, faites attention parce que sinon, on risque de tourner la population de Rochefort d'ici l'année prochaine. Alors, montrez-moi ici. En haut. En bas. À gauche. Et puis le dernier, à droite. Avec les deux mains comme ça. Hein? Eh monsieur, ça vous rappellera des souvenirs. Hein? À gauche, de bas, en haut. D'accord? Et ici, ça donne quoi? En haut. En bas. À gauche. Et à droite. Ouais, bon, je ne sais pas si vous êtes au point, mais en tous les cas, on va pas s'éterniser, on va y aller parce que je vous sens déjà très très chaud. Allez, musique maestro. Thierry, il va pour la musique ou Non. Il a du mal ce soir, notre ami DJ. Si, justement, c'est un pro, il sait plus comment ça marche. C'est un peu comme moi avec le patin, si vous voulez. C'est ça le live. Ah oui, vous vous êtes jalouse parce que je vous ai pas demandé en haut. En bas. Ah, ça y est, c'est parti. Allez, hop. Thank you.
ça. On aime tous ces soirées-là. C'est pour ça que j'aime ça, mon choix. Tu peux y aller? On applaudit Philippe. Il m'avait promis qu'il fallait dire ouais, qu'il l'a fait encore. Il est encore bon, hein. Même à 50 ans, il est encore bon. Bravo Philippe, merci. C'est pas encore les 50, mais là. Bravo à toi. Tu m'avais promis que tu le ferais. Formidable. Tu m'avais promis, il l'a fait encore. 10 ans après, il fait encore. Quelle classe, ce mec. Bon. Mais tu sais, moi, je suis un challenger. Eh oui. Je vais quand même essayer un petit double accès pour me faire plaisir. Hein, Gérard? Et écoute, mon fils, c'est que tout règne en l'air, mais je sens que vous êtes chaud, ça va me motiver. Ça fait peur maintenant, c'est ça le problème. C'est la première fois que je vais dire, ça me fait peur de m'envoyer en l'air. Comme la première fois, à peu près. Allez, on applaudit très fort! Allez, Philippe! Allez, on applaudit! Allez! Bravo, bravo encore. Je suis content parce que ça a bien tourné, mine de rien. Je ne m'étonne pas que tu prends encore des ronds. J'aurais pu me casser la gueule. Mais j'ai hésité, je suis content, merci Rochefort, et que la fête continue.